Hey, aujourd'hui, on est parti pour un haul action. Mais vous savez quoi? De nouveautés! Oui, des nouveautés! Alors, si vous êtes calés, eh ben, on y va! J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous avez la forme, que voilà, que tout se passe bien pour vous, que vous avez bien profité de vos étés, parce que demain, eh ben, vous savez quoi? Back of school, c'est la rentrée! Et oui, aïe, on va dire grosso modo que l'été c'est terminé. Et oui, parce que l'été, techniquement, c'est fin septembre, je suis d'accord. Mais demain, c'est de nouveau le réveil, c'est de nouveau le taf, c'est de nouveau les circulations abondantes, voilà, les crises de nerfs, les repas du soir, les devoirs, c'est la reprise de beaucoup de choses, voilà, du train-train, je veux dire, du cours d'année, voilà, les pieds en éventail, les horaires un peu, comment dire, espagnols, manger à point d'heure. Bon, on pourra encore s'octroyer peut-être un peu sur les week-ends, mais bon, ceci dit, voilà, il faut reprendre et c'est on reprend le rythme. Donc c'est fait, c'est même on le voit, hein, les jours diminuent beaucoup. Ceci dit, on a passé une semaine la semaine dernière catastrophique avec cette chaleur. Je sais pas vous comment ça s'est passé. Moi, j'ai été super mal parce que dans le sens où on dort pas très bien, on se met une boisson à côté, elle est hyper chaude, c'est dégueulasse. Enfin bref, dites-moi tout ça en commentaire. Mais bon, là on a de nouveau du soleil, mais les températures sont relativement agréables. En tout cas, sachez que je suis trop happy de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera des nouveautés à Curonet. Oui. Donc voilà, je vais vous Avant montrer toute tout chose, je ça. voulais vous parler de la marque Ima qui m'a recontactée. Merci à eux, ils étaient super adorables. Je vous avais présenté le contour des yeux qui était super bien, qui fait vraiment son taf, qui lisse et tout, qui apaise les poches, tout ça. C'est un excellent produit. Et là, ils m'ont demandé si je voulais vous présenter la crème de cou. Et ce que j'ai fait avec grand plaisir, parce que vous voyez, donc le packaging, si je vous le montre à l'envers, il se présente comme ceci. C'est un packaging soft et tout. C'est une crème qui est, vous voyez, dans un packaging noir comme ça, mais vraiment, vous voyez, pas de chip non plus. Voilà, du tout. Donc, comme je vous ai dit, la marque Imim, Imim, pas Ima, Imim. Annabelle, si tu commences à aller à bugger au premier abord, c'est foutu. Et cette crème, elle est enrichie à l'acide hyaluronique et aux peptides. Elle a vraiment, vraiment de bons composants. Elle est fabriquée aux États-Unis. Elle n'est pas testée sur les animaux. Elle est clean. Elle a des propriétés de collagène, tout ça, pour bien redessiner votre cou. Parce que souvent, à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de personnes oublient lorsqu'elles mettent leur crème de jour, leurs soins, elles oublient vraiment de s'occuper de votre cou. C'est pareil quand on pose un masque, je vous dis souvent, avec le résidu de masque, une fois passé toujours sur votre cou, c'est hyper important. Et cette crème, elle a plein d'effets. Elle vous redonne de l'élasticité, elle vous l'hydrate, elle affine un peu le double menton. Ceci dit, on en a tous, puis quand on fait comme ça, on a un double menton. Alors, il suffit de juste de prendre la crème. Donc, vous voyez, elle est vraiment. Elle n'a pas d'odeur, je veux dire, il n'y a pas d'actif chimique, il n'y a rien dedans. Vous voyez, elle est assez épaisse comme ceci. Ben voilà, dans un pot, il suffit d'en prélever juste un petit peu et elle pénètre hyper facilement. On sent qu'elle est un peu grasse justement pour vraiment nourrir voilà, la peau, quoi, pour que ça lui donne une belle homogénéité. Ouais, c'est bien ça. Pour que ça soit, voilà, bien lisse, tout ça, c'est franchement, je vous la conseille. Je crois qu'elle fait 20, oui, elle fait 22,99 € si je me trompe pas. Mais bien évidemment, je ne gagne rien dessus. Je n'ai pas de commission. Sachez-le, ils m'ont juste envoyé un produit. Mais j'ai un code promo pour vous que je vous indique ici. Comme ça, vous pouvez profiter d'une réduction, ce qui est pas En plus, non sachez, c'est négligeable, quand hein. même une crème qui est éclaircissante. La formule est avancée. Vous avez, comment dire, elle stimule votre peau, le renouvellement cellulaire. Elle améliore la circulation. Elle a la capacité d'auto-guérison, elle vous permet de vous débarrasser de la matité, du teint inégal, elle vous détache des coups de soleil, parce que bien sûr l'été on en a eu, des cicatrices, des rayons UV, de la radiation, elle laisse votre peau pleine de vitalité. Franchement, vous l'essayez. En plus, elle a les, comme je vous ai dit, elle a du collagène, donc ça améliore vraiment l'élasticité et ça vous atténue les rides et les ridules. Donc vous la prenez, vous massez, vous partez en bas de votre cou et vous massez en mouvement circulaire. Et si vous pouvez, toujours en montant sur votre cou pour justement étirer votre cou, pas pour C'est une l'aplatir tout en excellente bas. crème.
C'est une excellente marque. Et justement, il ne s'étale pas. C'est sur Amazon. La livraison, elle arrive en 2-2. Franchement, c'est clean. Donc, de toute façon, je vous mets le lien en bas donc, concernant ma vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. De toute façon, comme je le dis souvent, ça ne vous coûte strictement rien d'aller jeter un coup d'œil et vous faites votre propre avis. Comme vous l'avez dit, en plus, les avis sont très, très positifs. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller regarder. Allez, si on passait aux choses sérieuses maintenant et on va passer aux nouveautés. On va commencer par des cochonneries. Et oui, parce que ça recommence les cochonneries. Et ceci dit, on n'est pas encore au chocolat de Noël. On a Halloween. Il y a eu plein de petits sondages également ça, sur YouTube. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous voulez que j'unboxe le calendrier Spa d'Action qui arrive. Et oui, on est là. Il est arrivé. Sachez que si dans les vidéos vous entendez, foncez le prendre tout de suite parce qu'après il est en rupture de stock. Normalement, au vu des 2 dernières années que j'ai vues, parce que ma chaîne elle va bientôt avoir 2 ans, donc voilà, il n'est pas en rupture de stock tout de suite. En fait, à un moment donné, ils en mettent petite quantité, vous avez l'impression qu'il n'y en a plus, mais c'est toujours dans les promos Action à un moment donné. Donc ne vous affolez pas non plus, mais dites-moi si vous voulez voir ce que ça donne. Il fait, je crois, 12,90 €. Si vous voulez qu'on l'unboxe ensemble, ce sera avec grand plaisir. Mais attention, hein, soyez au rendez-vous le jour où je l'unboxe. Hein. Si vous dites oui, soyez au rendez-vous. Allez, on commence par les cochonneries parce que là, je blablate. Mais comme toujours, justement, j'ai un petit truc qui me correspond tout à fait. Je vais vous le montrer dans pas longtemps. Voilà, je suis trop happy, je vous jure, je suis trop happy de vous retrouver. Donc, vous avez vu, sûrement vu, je vous ai fait un short avec les foods que l'on trouve en ce moment à Action. Donc, il y a ces petits sticks. Alors, vraiment, il est tout rabougri, hein, on est bien d'accord. Ben oui, Annabelle, elle l'a mis au fond du sac. Donc, tout s'est empilé dessus. Et voilà, ça c'est. Si, bon, après, c'est assez dur. Donc, normalement, ça ne va Voilà, pas casser. c'est pas Donc, excessif. ils sont très, très bons. En plus, si vous voulez faire des petites mouillettes, vous savez, dans les œufs ou dans quoi que ce soit, c'est topissime. Voilà, Et le le. deuxième, bon. Enfin, voilà, ils sont tous les deux très bons. Il y avait un autre où c'était goût pizza. Et étonnamment, je ne l'ai pas retrouvé. Mais bon, voilà, sachez que moi, j'adore. Bon, il est très salé, mais très, quand je vous dis salé. Il n'est pas à moitié, il est vraiment, vraiment Ensuite, il y a ces salé. Hein. petites chips. Alors, bien épicées au piment vert, c'est marqué hot, gilapin, machin, bref, des chips, des cloisies. Donc, pour ceux qui aiment épicé, foncez. Pour ceux qui sont comme moi et qui ne sont pas fans d'épicé, bon, voilà, ceci dit, ma fille, elle adore tout ce qui est épicé. Puis après, elle me dit. J'ai des brûlures d'estomac, mais bon, voilà. Donc, vous trouvez également ça. Il y en a un autre en forme de curly aussi qui est très très épicé. Celui-là, je ne l'ai pas pris parce que là, c'est Ils ont abusé. ressorti ces Mais smoothies. ils sont très très bons. Ils sont naturels au niveau voilà, ingrédients. Ils sont juste géniaux. Ils coûtent 79 centimes si mes souvenirs sont bons. Hein, parce que voilà, après, mes souvenirs, des fois, vous savez, ma mémoire, elle défaille. Hein. Voilà. Donc, celui-ci à la mangue et celui-ci à la banane et pomme. Ils sont très très bons. Si vous avez l'occasion de les trouver, foncez parce que franchement, ça faisait un petit moment qu'ils ne les avaient pas remis en rayon. Mais c'est une dinguerie, ça. C'est hyper, hyper bon. J'adore. Ça se boit tout seul. Ça se met au frais. Et même dans le cartable ou même bout dans votre sac ou quoi, la journée, vous n'avez pas besoin, voilà, que ça soit hyper frais, que ça se garde. Ce n'est pas une obligation. Bon, s'il fait 38 degrés, je ne vous conseille pas. Mais normalement, ça devrait être fini, ça. Donc, ça, franchement, c'est voilà, c'est un super bon produit. Je suis trop contente qu'ils les ont remis. Oh, Donc, chouette, voilà. ils ont sorti Ça, alors ça, c'est les caramels Chang. Vous savez qu'on met, vous voyez, ils mettent sur le dessin, là. On peut faire pour les pâtisseries. Ceci dit, ça se mange tout seul également. Mais bon, c'est pas une chose à faire. Je ne vous conseille pas. Mais voilà, pour faire vos pâtisseries, ils font aussi des amandes effilées dans le même style de paquet. Voilà, pareil pour vos pâtisseries et tout. Le prix, il vaut hyper le coup. En magasin, ça vaut plus de 3 euros dans les supermarchés. Donc, si ça vous dit, en plus, la date, elle va quand même en 2024, avril 2024. Donc, maintenant, on va pouvoir allumer les fours. Donc, ça va être assez sympa. Donc, ça, c'est trop bon. Oh, pour ceux qui adorent ce petit coup de crunchy caramel, de cacahuète, trop, trop bon. Je vous jure, comme je vous dis, c'est pas à manger comme ça, mais c'est presque tentant, quoi. Donc, bon, voilà, c'est sympa, Ils je ont trouve. ressorti également ces petits kits. Vous savez, de petites décos que l'on met sur nos petits gâteaux ou muffins ou voilà, peu importe. Donc, il y avait en forme de dinosaure, il y avait plusieurs formes. Moi, forcément, j'ai pris petit cœur, hein, voilà.
C'est trop mime, ça. Il y a plusieurs couleurs. Et voilà, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez même. C'est un peu, vous savez, ce qu'on retrouve sur. Justement, ils ont ressorti les Monsieur Brownies un petit peu Halloween. Et dessus, c'est pareil au chocolat noir. Et on a des petits fantômes orange. C'est pareil, c'est comme ceci, avec sucré. Donc voilà, vous avez comme ceci. Et puis moi, j'ai craqué pour l'autre avec les petits œils. Parce que je trouve que c'est fun. Pour, bah, même pour les enfants, pour quoi que ce soit, je trouve que ça donne un petit côté happy, joyeux. Enfin voilà quoi, c'est puis pour le prix, c'est vraiment pas excessif. Et comme je vous dis, en plus, ça se garde un petit moment quand même. Ceci, bon, je vois pas, mais voilà, vous voyez, vous avez les petits nonoeils. Et pour Franchement, finir, au ça, niveau nouveauté bouffe, food, ils ont ressorti ceci. Alors, c'est pratique, des fois, on n'a pas forcément envie de tout sortir, on a juste quelques ingrédients à rajouter. En plus, ils fournissent les petites coupelles, comme vous pouvez voir ici. Donc là, c'est léopard muffin. Alors, ça pas un... Au départ, je me suis dit pourquoi, what? Mais en fait, c'est juste parce que vous voyez, le petit truc là, il est en léopard. Et puis, je pense que là, c'est des petites pépites caramel ou chocolat. Mais voilà, donc franchement, c'est sympa. Vous n'avez vraiment pas grand-chose à rajouter. Il y a le, pareil, le rainbow cake. Il est trop beau, comme je vous l'ai dit en short. Il est trop beau à voir visuellement sur le carton. Bon, quand on le fait nous, alors moi perso, en tout cas, je vais parler pour moi perso, il n'a pas la même gueule, hein, sincèrement, que quand on le voit sur l'image. Mais bon, ça par contre, c'est super pratique. Le prix, il est correct. Ça se fait en deux-deux. Des fois, vous savez, quand on va arriver sur les dimanches pluvieux un petit peu et qu'on se dit, je me mangerais bien un petit gâteau, un petit truc comme ça et qu'on n'a peut-être pas tout sur la main, et bien ça, c'est toujours bien d'en avoir un dans nos placards. En fait, si tu viens d'arriver sur cette vidéo, que tu n'es pas encore abonné, et ben n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton petit pouce bleu, à partager. Voilà, si tu veux m'encourager, si voilà, c'est le meilleur moyen, si tu veux me donner ton soutien, et ben c'est la seule chose à faire, c'est gratuit. Et je remercie. Comme vous avez pu voir, c'est une petite guirlande Halloween. Oui. Alors, il y en avait plusieurs sortes. Moi, j'ai opté pour les petits fantômes. Je trouvais ça trop, trop mimes. Donc, bien évidemment, vous avez le boîtier ici. Hein. Donc, voilà, vous mettez vos piles. Et voilà nos petits fantômes. Regardez comme ils sont trop, trop mimes. Ah, bah, là, vous n'allez pas voir grand-chose hein, si vous avez le boîtier devant. Hein. Voilà comment c'est. Ils sont trop, trop cute. Je ne sais pas si vous allez vraiment, vraiment bien les voir. Mais ils sont canons. Enfin, je les trouve. Je n'ai pas encore allumé. Hein, je dois vous avouer. Je ne sais même pas si ça marche vraiment. Mais voilà, je kiffe. Bon, pour moi, c'était les plus soft. C'est voilà, c'est pas pour mettre ni dans le salon, ni rien du tout. Hein. Et puis, pour être franche, je ne suis pas trop déco d'Halloween. Mais il y a deux, trois petits trucs qui peuvent passer passe-partout et qu'on peut mettre sur le long de l'année. Comme là, quand bah, on n'y est pas encore, on ne va pas y penser. Mais quand les jours vont tomber, que ça va faire nuit noire, bah, très tôt, on aime bien avoir de la luminosité, des bougies. Donc voilà, je trouve Et ça le assez truc qui fun. me correspond, je vous ai dit, c'est ça en fait. C'est les tasses de Madame. Ils en ont sorti trois différents. Donc une rose, bon celle-ci elle est verte, mais c'est marqué blablabla, blablabla, blablabla. Donc voilà, Madame blabla. Et bien c'est moi, parce que je suis toujours en train de blablater et elle me correspond totalement. Il y en a une jaune aussi. Je sais, ouais, une jaune, une rose, voilà, il n'y en a que trois, je crois 1,79 € quand même le mug, on est bien d'accord, mais c'est Ensuite, assez j'ai sympa. repris des odorisants, linge également, parce que ça m'interpellait pas ce bleu, à moins qu'il y était et que je ne l'ai pas pris ou que je n'ai pas fait attention, mais là je l'ai vu, je me suis dit, il ne me dit rien. Donc, je me suis dit, what? Je vais tenter. Ça se peut qu'il y était avant. Hein. Mais des fois, avec ma mémoire de poisson rouge, ben, j'oublie. Ceci dit, j'ai fini les autres. Donc, quoi qu'il en soit, j'en ai pris un autre. Je les trouve super. Pour les linges de maison, de toute façon, je vous en reparlerai de celui que j'ai fini là. Il est juste ici, hein, d'ailleurs. C'est celui-ci que j'ai fini. Je vous en reparle dans mes produits finis. J'adore. J'adore. Pour les odeurs de linge, quand on pulvérise dessus, ça sent hyper bon. Ça, c'est même pas un fail, c'est trop trop bien. Ils ont sorti Super. ces masques de cheveux. Alors, celui-ci, il ne me dit pas grand-chose. Alors, deux choses. Il y avait à la rose, je vous mettrai une petite photo ici. Je ne sais pas si celui-ci a été repaqué ou pas, parce qu'il m'interpelle, mais sous une autre forme. Celui-ci, il ne me dit rien à l'argan vert comme ça. Il ne me dit rien du tout, franchement.
Pour moi, c'est une nouveauté. Ça, par contre, je ne l'ai jamais vu. Même dans ma mémoire de poisson rouge, il ne me dit rien du tout. Donc voilà, je me suis dit, faut tenter. Après, j'en prends pas beaucoup, j'en prends un parce que je trouve que ça ne me prend pas toute la chevelure. Je trouve que c'est pas. Enfin, voilà, il y a la petite Charlotte qui est sympathique, hein, voilà, tout ça, il y a le produit là, mais je trouve que le produit, il est, enfin, pour moi, hein, pour ma part, je trouve qu'il est insuffisant sur les cheveux, je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais bon, voilà, de temps en temps, c'est sympa. Ils ont sorti un autre masque pour cheveux que je vous mettrai là ou là, hein, peu importe, de toute façon, je vous remets, de toute façon, déjà, je vous remets déjà tous les prix ici, et je vous mettrai un masque Argan Wild. Tout le monde dit waouh, super le produit. Sachez qu'il est hyper mal noté, donc voilà. Mais je vous le remettrai, je vous mettrai la photo ici, comme ça vous verrez de quoi je parle. Mais je ne l'ai pas pris. Il est en nouveauté, je ne l'ai pas pris parce que quand j'ai scanné le code barre, il était vraiment très très mal noté. Donc il y avait même le pulvérisateur qu'on met sur les cheveux. Oh, la note, elle est affreuse quoi. Donc voilà, de cette gamme Wild, Argan Wild, là, je sais pas trop comment déjà ça s'appelle. Et C'est vu une qu'on est dans les catastrophe. cheveux, du coup, j'ai pris ce petit pulvérisateur Pantene 7 en 1. Donc voilà, qui donne, qui aide à démêler, qui donne de la brillance, qui les nourrit. Voilà, il y a plusieurs, il est composé de plusieurs soins. Sachez qu'il est noté 50 sur 100, donc c'est juste la moyenne. C'est quand même de la marque Pantene. Il est assez liquide, donc je pense que voilà, il faut légèrement le secouer. Voilà, il apporte tout ça à vos cheveux. Je peux vous assurer que certaines huiles, comme moi, je me sers souvent de l'huile essence, quand vous le mettez après votre shampoing, quand vous lissez, c'est vrai que ça leur donne une douceur à vos cheveux qui est pas non négligeable et vous appréciez. Après, vous êtes toujours en train de passer la main dans vos cheveux, mais franchement, Ensuite, ça, voilà. c'est très très bien noté. Alors, c'est un nettoyant visage à la camomille. Et il a de bonnes, comment dire, de Il bons se présente en retours. pompe. Vous L'eau savez de... que Moi, les flacons pompe, je kiffe, c'est mon truc. Je trouve que c'est hyper pratique. Après, comme je vous l'ai dit, je mets souvent sous la douche. Donc, bon, des fois, on a les mains. Voilà. Mais ils c'est ont très fun. Et sorti de nouveau ces masques. Vous savez, c'est des masques en stick. Hein. Ce n'est pas des masques en tissu que vous mettez. Généralement, ils ne sont pas super bien notés. Hein. On est bien d'accord. Il y avait le vert et il y a le rose. Vous voyez, c'est des sticks tout simplement comme ceci. Voilà. Et le packaging, il est holographique. En fait, c'est le packaging. Encore une fois, comme je vous dis, je me fais souvent avoir par action parce que c'est le packaging, mais l'holographique. Comme ça, regardez. C'est pas hypant. C'est franchement, c'est fun, hein? Ça donne trop de la couleur. C'est vraiment en quartz. Alors, celui-là, c'est rose quartz. Et le vert, je me rappelle plus ce que c'était, mais il est trop On a eu sympa. Les poudres qui sont venues. Alors, il y a eu à la mangue. Je vous l'avais déjà présenté il y a très très longtemps précédemment. Je ne l'ai pas pris. La seule qui me manquait de toutes, il y a eu la mangue, la coco. Il y a eu une autre, je ne sais plus quoi. Et la fraise qui est là. Donc, c'est la seule qui me manquait. Donc je me suis dit, voilà, elle est un petit peu blanche, translucide, ouais, elle est un petit peu rosée. Elle n'est même pas blanche, elle est légèrement rosée. Donc voilà, je n'ai pas senti, elle n'est vraiment pas ouverte. Voilà, 1,99€. Ces poudres, ça fait fureur. Je les ai vues en vente sur Vinted. Il y en a, ils les vendent 5 euros, quoi. Non, mais sérieux, c'est abusé. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas accès à ces produits, tout ça. Mais 5 euros, et il faut pas non plus. Voilà, augmenter à ce point-là les prix. À un moment donné, 1,99€, surtout Vinted, vous avez quand même les frais de port et tout. Je sais bien qu'il y en a qui veulent à tout prix le produit, mais les personnes qui les vendent, je sais que de se faire de l'argent dessus, c'est pas fifou. Surtout augmenter, alors peut-être 3 euros si vous voulez, mais allez, de là à mettre une poudre, 5 euros. Ah non, moi franchement, ça m'a fait bondir du siège, quoi. Mais bon, voilà. Sachez que les poudres, elles sont... Je vous les présente toujours. Ils ont ressorti des kits de faux ongles. Donc, allez, on va pas s'attarder. Il y a ceux-là, voilà, en rose, comme ceci. Il y a ceci en bleu, voilà, pour ceux que ça plaise. Sachez qu'il y a la colle intégrée pour 1,44€, je crois. C'est pas... Non, voilà, c'est franchement, c'est correct. Vous avez ceci, ceux-là. Ils sont trop mimes. Franchement, j'adore. Je les trouve trop cute. Voilà. Et il y a ceux-là qui sont soft pour... Voilà. Pour ceux qui aiment ce genre de... d'accessoires et tout pour les ongles, bah franchement, voilà, il y a la colle, il y a tout dedans, c'est pratique, c'est pas cher et ça Ils ont fait son sorti des effet. petites boules de bain, même pas 80 centimes, il y en a plusieurs couleurs également. Alors ça sent hyper bon. Je sais pas pourquoi ils nous ont mis des kikis là derrière.
Les boules, j'en ai pris qu'une. Voilà, et franchement, j'en ai pris qu'une. C'est suffisant. Voilà comment elle se présente. J'ai pris celle-ci parce que c'est celle-ci qui me branchait le plus avec son, je sais pas, son petit côté un peu feuille dessus. Ça sent bon, hein. Franchement, ça sent très très bon. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi ils nous ont mis ça. Elles ont toutes, il y en avait des roses, des bleus, il y en avait plusieurs couleurs, plusieurs variantes, mais pareil également, elles ont toutes un Ensuite, filet ils ont derrière, je sais sorti pas. ces nets, c'était pour nettoyer nos petites mimines. Voilà, j'ai trouvé trop fun le packaging Wild Passion, Sweet Love. Franchement, je kiffe. Alors, c'est léger, ça me paraît hyper liquide. Par contre, regardez-moi ça. Ça paraît trop, vraiment liquide. Je sais, hein, vous n'êtes pas d'accord? Dites-moi ça. Bon, bref, bon, j'y trouve assez liquide. J'en ai pris deux. Il y en a pas mal de gel lavant pour les mains en ce moment qui sortent. Mais. Ça sent trop bon. Oh, ça sent trop, trop bon. Ah ouais, ça sent vraiment. Ça sent la passion, mais. Ah bah, ça sent pas moins la passion. Bizarre. Après, c'est juste peut-être l'interpellation. Hein, celui-ci, Vitam 8 Passion Fruit à kiwi. Ah, ok, d'accord. Avec le kiwi. Oh, j'adore C'est leurs plus odeurs. Au franchement. papaye. À la papaye. Voilà. Donc, trop fun. Franchement, regardez-moi ça. J'adore. Ils sont canons. C'est juste des pour laver les mains, hein, certes. Hein, Il mais y voilà, a les j'adore. J'adore. nouvelles brumes. Il y a ces nouvelles brumes qui sont sorties. Il y en avait vraiment plusieurs variantes également. Je vous les ai mis en short. Sachez que je vous mets régulièrement les nouveautés en short, comme ça vous voyez. N'hésitez pas à regarder, comme je vous l'ai dit, les shorts c'est souvent le lundi et le vendredi. Comme ça vous savez à quoi vous en tenir. J'ai pris la verte. Ouais. Oui, ça oui, il va neiger en plein été, c'est vrai. Et là, la Nice N et la fraîche. Pourquoi la verte? Parce qu'elle sent trop bon. Elle est fraîche, elle m'a trop trop tentée. Et je vous avoue que. Ah ouais, j'aime bien son côté. Il n'est pas fruité, il n'y a pas ce côté comme on a l'habitude de trouver dans les brumes. Elle a vraiment ce côté frais. Je vous jure que j'aime beaucoup, beaucoup son odeur. Elle m'a trop donné envie, même si son packaging est vert. Je me suis dit, tant pis, c'est pas grave. Ceci dit, regardez, il n'est pas moche. Hein. Elle est pas mal. Hein. Voilà. Ah, comme d'habitude, j'en mets toujours plein la bouche, mais vous me connaissez. Sachez, quand vous prenez pareil tout produit, regardez là, si c'est bien fermé, si quand vous appuyez dessus, ça n'a pas été ouvert, quand vous tournez, que ça n'a pas été touché. Parce que vous savez, Action, hein, on connaît le mood des choses, c'est que ça s'ouvre beaucoup, beaucoup de gens testent, beaucoup de gens. Pff, voilà. Donc, pareil, quand moi les baumes, je les regarde, je regarde qu'elles sont bien fermées quand je les prends et je les prends au fond pour être sûre bon, bah, que pas tout le monde est pchit-pchit sur le C'était produit que j'ai frais pris, quoi. aussi. Donc, voilà, j'avais pas envie de brume cette fois, voilà, j'avais vraiment envie des brumes. J'allais répéter le mot sucré, hein, mais c'est pour ça que je me suis arrêtée parce que là, ça allait être répétitif. Mais j'avais vraiment envie de fraîcheur encore. Comme je vous l'ai dit, l'été n'est pas fini. On a encore jusqu'à Et fin pour septembre. finir, Mais bon, parce que les coffrets vont arriver, vont commencer à pointer leur bout du nez. Donc, ils ont sorti celui-ci que je trouve, mais vraiment. Joli, je le trouve, comment dire, de couleur hypante, joyeuse, qui nous met de bonne humeur. Voilà, ça c'est un kit de bain, tout simplement. Donc vous avez le gel douche, vous avez le, enfin le, pour mousser le bain, pas le gel douche, pour mousser le bain, vous avez le sel des bains et la baume de bain qui est ici. derrière la Donc boule de bain, voilà. regardez. Elle vous laisse pareil une traînée de comme un arc-en-ciel, vous savez, comme on trouve sur les bombes de bain qu'on a eues là en forme de lune. D'ailleurs, je vous ai fait un short également. Ils ont remis aussi les bombes de bain nuages, pareil, où ça vous laisse une traînée. C'est juste magnifique. Donc apparemment, vous voyez, la bombe de bain, là, elle vous laisse une légère traînée qui est sympa. Ça fait trop beau dans le bain. Bon, je vous avoue, c'est peut-être pas. Mais les bains vont revenir. Après, il y en a qui ont peut-être pris des bains cet été. Froid, hein, c'est peut-être possible, il faisait tellement chaud que voilà. Ben Mais voilà, on en a sympa. fini avec cette vidéo nouveauté. Ceci dit, la plupart du temps, je vous présente que des nouveautés. Voilà, et c'est, il va y en avoir voilà, de plus en plus parce que ça va être la période. Voilà, parce que comme vous savez, bah, Noël chez Action, c'est dans 3 semaines. Même pas, ça commence à arriver. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas,
N'hésitez pas, ça m'encourage. Moi, je vous fais plein, plein de bisous pétillants. Vous prenez soin de vous, vous profitez, vous riez, vous vous amusez encore. Et nous, on se retrouve rapidement. Bye bye.